Son lagon a désormais la couleur du vignoble nantais. Après avoir vécu 17 ans à Tahiti, Laurent Lelay avait besoin de calme et d'espace pour travailler. Et c'est là, à Château Thébault, qu'il a choisi de poser ses valises. Il y a 2 ans, dans son garage, il a créé son e-boutique, son créneau, la vente par internet de l'authentique monoï de Tahiti. Alors elles sont fraîches, là. En dehors des saisons d'été, on ne trouve pas de monoï. Et ayant vécu là-bas, ayant appris à utiliser le monoï, et en faire un produit de soins quotidien, je me suis dit, je ne dois pas être le seul à être dans cette demande. Aujourd'hui, la boutique a plus de 6000 clients. 20% sont des consommateurs réguliers qu'il faut chouchouter. Le plus du jour, les fleurs sont arrivées avant-hier. Elles ont été cueillies vendredi matin à Tahiti. Elles sont arrivées en express tout de suite. Elles ont été conditionnées, ça repart chez nos clients, ils devraient l'avoir fraîche. Depuis le mois de mai, une personne a pu être embauchée. Et au vu des courbes de croissance, d'autres pourraient suivre. Cette année, la boutique du Monoï a importé 6 tonnes de produits conditionnés en Polynésie. Et les acheteurs sont le plus souvent des anciens de Tahiti. Vous avez 2 clientèles à la boutique du Monoï. Vous avez ceux qui utilisent le Monoï comme en Polynésie, comme un soin. Et puis après, il y a ceux qui utilisent le Monoï en effet quand le soleil est là. 21 000 visiteurs ont déjà consulté le site, un site sur lequel sont prodigués des conseils pour utiliser sans risque le monoï sous toutes ses formes.